Bonjour et bienvenue chers amis Verseau pour le tirage des énergies du mois de janvier-février 2023. On va regarder ensemble quel est le message intuitif, bien évidemment, que veut bien nous communiquer la vie à travers ce tirage du tarot et cette vidéo. Vous avez d'abord un 2, vous avez le 2 de bâton, 2 de bâton accompagné de la lune. Donc la lune est un arcane majeur qui nous parle d'incompréhension. Vous ne voyez pas en fait ici quelle est la bonne solution. Vous devez faire un choix, vous êtes à la croisée des chemins, il vous faut ici prendre un chemin, un sentier, mais vous ne savez pas, vous ne voyez pas quel est ce sentier qu'il vous faudrait prendre et surtout emprunter. Donc ce qu'on vous dit ici, c'est peut-être d'attendre aussi, parce qu'il y a cette idée que peut-être que dans un mois, lunaire, peut-être que dans quelques semaines, vous allez avoir plus d'éléments, plus d'éclaircissements par rapport à ce choix. Donc, il est ici important que vous exploriez peut-être pleinement votre inconscient afin de vous rendre compte de ce qui est attendu, de ce que vous pourriez faire dans cette situation. Vous avez ce 7 de denier avec le magicien. Donc, là, on vous dit, il faut faire une analyse, une réflexion, il faut prendre le temps de regarder ce que vous avez déjà. Il faut faire une liste, voilà ce que j'ai et voilà ce que je voudrais. Mais surtout, je pense, cette liste, ce que j'ai et ce que je voudrais, il faut qu'elle passe surtout et avant tout sur vos compétences et vos capacités, vos qualités. Qui êtes-vous? Qu'avez-vous? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour emprunter tel ou tel sentier? Je pense que votre décision sera conditionnée par vos compétences, par vos qualités. Plus vous allez vous découvrir compétent et ayant des moyens de faire quelque chose, meilleure sera la réussite de cette décision. Parce que je crois qu'il y a le risque ici que vous empruntiez un sentier où vous n'êtes pas encore prêt à faire les choses telles qu'elles sont attendues, telles qu'elles sont présentées par la vie. Je crois que les deux chemins ne se valent pas. Il y a un chemin où vous allez être beaucoup plus à l'aise, où vous allez être davantage chez vous. Ça vraiment correspond à qui vous êtes et ce que vous voulez, mais il y a un chemin qui est beaucoup moins évident, où vous risquez de rencontrer davantage d'obstacles, davantage de difficultés. Donc la question qu'il faut se poser ici, d'abord, qu'est-ce qui va me rapporter le plus? Alors, ça peut être au plan matériel, comme ça peut être au plan émotionnel. Mais surtout, il faut vous demander, quel est le chemin où je serai le plus à l'aise? Qu'est-ce que je maîtrise le mieux? Et c'est cette maîtrise-là qui va vous donner la possibilité de faire ce fameux choix. Voilà pourquoi le tarot vous dit, il faut rentrer en vous. Parce que l'ermite vous demande d'être dans la solitude, d'être dans un retour sur soi, dans un retour sur votre intériorité, sur qui vous êtes réellement. Parce que ce qui vous êtes réellement va vous permettre de dévoiler des connaissances, d'illuminer un mental qui aujourd'hui ne voit pas. Avec ce 2 d'épée, c'est exactement la même idée. Vous devez faire un choix, mais quand vous regardez les choses par la conscience, le mental tel qu'il est aujourd'hui, vous ne voyez que des choses identiques. Vous n'arrivez pas à discriminer, vous n'arrivez pas à faire le choix, vous n'arrivez pas à opter pour telle ou telle chose. Quelle que soit votre idée, l'idée est identique, ça se vaut. Mais ça ne se vaut pas réellement, ça ne se vaut pas en soi. Dans les choses, elles ne se valent pas. Et pour ce faire, pour éclairer tout ça avec beaucoup plus du mental, de l'évidence et avec beaucoup plus de lumière intérieure, il vous faut ce retour sur vous-même, il vous faut ce retour sur vos ressentis. Parce que je pense que la réponse, elle est profondément enfouie en vous. Il faut aller la chercher, il faut aller chercher ces éléments et cette lumière qui vous donnera ici la réponse. Un des éléments qui seront vraiment d'un grand secours pour ce choix, c'est le valet de coupe, c'est-à-dire votre cœur. Suivre votre cœur pour retrouver l'équilibre, pour retrouver la stabilité. Je pense que l'instabilité, elle vient de votre incompréhension, de votre incapacité à faire quelque chose, à définir quelque chose. Donc, puisque le mental ne sait pas, puisque tout se vaut pour le mental, il vous faut rentrer et éclairer ce qui compte pour votre cœur, ce qui compte pour votre âme, ce qui compte pour
pour vous. Et vous avez ce roi de bâton qui, lui, nous parle de maturité. La maturité, elle viendra avec le temps. Je ne pense pas qu'elle sera là tout de suite, immédiatement. C'est pour ça qu'il vous faut de la patience. Regardez, votre action ici est entravée par ce diable, par l'autosabotage. Parce que je crois qu'il y a le désir qui veut aller sur un sentier que vous ne maîtriserez pas. Il y a ce premier élan que vous auriez envie de faire quelque chose, mais ce quelque chose, vous ne le maîtrisez pas. Et donc, vous risquez de vous davantage saboter, de saboter votre réussite, votre action, que de achever, parachever quelque chose. Il vous faut ici prendre du temps pour peser le pour et le contre, peser vos propres compétences et vos capacités. Ça ne sert à rien de se mettre dans une situation complexe si cela va davantage créer de stress, de difficultés, d'angoisse, d'anxiété chez vous. J'ai l'impression qu'un des sentiers risque davantage de vous confronter à vos limites, au défaut de votre préparation. Je pense que vous n'êtes pas prêt pour un des sentiers, pour un des chemins, pour un des choix qui s'offrent à vous. Alors que l'autre, ça irait comme sur des roulettes, mais à condition de bien peser vos capacités et vos compétences. Et ben voilà, vous avez la grande prêtresse avec le monde. Je pense qu'il faut à un moment donné ici revenir à l'essentiel. Revenir à ce qui est le plus important pour vous. Je pense que vous avez cette idée que vous devriez faire quelque chose, alors que la vie vous dit que ce n'est pas une question de devoir faire quelque chose, c'est plutôt la question d'avoir envie de faire quelque chose. Peut-être ce que vous, vous avez envie de faire, et peut-être l'envie que vous avez ici va vous conduire à mettre un terme à quelque chose, à finir quelque chose, peut-être à tourner une page dans votre vie. Mais tourner une page dans votre vie, c'est peut-être ce qui est nécessaire ici pour mettre en lumière, mettre en avant quelque chose de beaucoup plus profond que un désir social, un désir et un devoir en fait qui vous est imposé plus qu'il n'est vous. Le désir du cœur, parce que je crois qu'il y aura cette bagarre entre le cœur et l'obligation, le devoir. C'est comme si vous vous imposiez quelque chose de l'extérieur, alors que ça n'a rien à voir avec qui vous êtes. Et vous voyez, il faut éclairer le choix. Vous avez les amoureux, comme ce deux de bâton, il y a ce côté, il vous faut faire un choix, mais un choix qui est beaucoup plus profond que vous le croyez. Je pense que vous ne vous rendez pas compte de ce que réellement veut votre cœur. Vous avez plus tendance à aller vers le devoir, vers ce qui est imposé. Alors que là, et regardez, c'est exactement la même idée qu'ici, on vous dit que là, le choix doit suivre votre cœur. Il faut suivre un profond désir qui peut-être ne correspond pas à ce que vous avez aujourd'hui, qui ne correspond pas à ce que vous pensez devoir faire. Il y a vraiment ce côté, vous devez écouter votre cœur, écouter votre âme, écouter cette voix intérieure qui, elle sait, et ça c'est la voix intérieure, la grande prêtresse, qui, elle sait où vous devez aller. Regardez, vous avez à la dernière ligne, l'encadrement de cette grande prêtresse et de ce choix à faire, deux arcanes majeures, vous avez les bâtons. Vous avez la passion, mais une passion qui devrait être maîtrisée. Parce que le roi et la reine de bâton ici, c'est un couple. Un couple qui nous parle de cette énergie d'action, de cette énergie qui arrive à la maturité. Mais comme tout à l'heure, vous vous souvenez, on avait le diable qui allait avec le roi. Donc, vous n'êtes pas encore mûr. Il vous faut travailler sur quoi? Sur votre confiance, faire confiance à votre cœur. Êtes-vous capable aujourd'hui de faire confiance à votre cœur? Et regardez, je n'avais pas regardé le dos de deck. Le dos de deck, on a à nouveau le diable. Donc, c'est ici, il y a quelque chose dans votre confiance en vous, votre capacité à faire confiance à votre cœur qui pose problème. Je pense que vous n'êtes pas encore totalement et complètement mûr, mature pour une situation.
Et vous, vous dites je dois, je devrais aller dans ce sens-là, et votre cœur, de plus profond de votre être, vous dit non, ce n'est pas encore ça. Parce qu'il y a quelque chose en vous, mais il faut prendre du temps pour le dévoiler. Et si vous vous souvenez bien, on avait ici la lune qui nous disait il faut au moins un mois pour laisser mûrir, maturer quoi, votre confiance en vous pour vous défaire de ce diable, de cette toxicité, de ce quelque chose qui est saboteur. Mais je pense que c'est plutôt le manque de confiance en vous qui vous sabote, qui sabote votre action dans une situation. Vous avez le 6 de denier avec le jugement. Donc, il y a vraiment une transformation en profondeur à faire sur l'équilibre dans la matière. L'équilibre dans la matière n'y est pas encore. Il vous faut transformer, transformer quelque chose pour pouvoir achever une situation et vous ouvrir une nouvelle opportunité, une nouvelle possibilité de pouvoir faire réaliser. Pour ce faire, vous avez besoin des synchronicités. Je ne pense pas que l'information viendra de l'extérieur. C'est votre réceptivité, votre réception, votre capacité à recevoir les synchronicités et à les intégrer, et regardez, qui vous permettra, qui vous aidera à achever quelque chose, à finir quelque chose, à tourner une page. Il est nécessaire ici à ce que vous travailliez sur la fin d'un chapitre de votre vie. Il n'est pas encore là, c'est pas encore là la fin du chapitre de votre vie. Il y a encore quelque chose à mûrir, il y a encore quelque chose à retravailler. Super, vous avez le soleil et vous avez deux de coupe. Soit c'est une relation ici qui va prendre forme et surtout arriver à la lumière, mais il vous faut du temps pour mettre en lumière quelque chose de profondément sentimental, quel que soit cet objet de votre désir. Mais il y a quelque chose ici qui va vous attendre, mais il faut accepter que ça ne se passe pas tout de suite. Il vous faut du temps. Donc, arrive vers vous, soit une nouvelle rencontre, soit la transformation d'un lien avec quelque chose de profondément heureux, libérateur, mais ce sera libérateur que et uniquement que si vous acceptez de travailler sur votre confiance en votre ressenti, en votre intuition, dans les synchronicités. Et ben voilà. Non, mais ne vous inquiétez vraiment, 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 vraiment pas, parce qu'avec ce 4 de bâton, il y a cette idée de ancrage, de réussite et de célébration de la libération d'une blessure. Vous allez célébrer ici votre détachement parce qu'il y a quelque chose de profondément douloureux ici qui va disparaître. Mais pour que ça disparaisse, il vous faut du temps. Il faut accepter d'attendre et ne pas faire immédiatement le choix et surtout résister à une envie, un désir qui vous pousse d'aller sur un sentier, un chemin qui n'est pas réellement fait pour vous. Voilà, chers amis, je suis navrée de vous dire ça comme ça. Je ne peux que vous transmettre le message que je reçois. Voilà, chers amis, je vous souhaite une belle fin de journée et une belle libération de cette blessure. Et surtout, à très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.